Bonjour, bienvenue aujourd'hui au Grand Lucé. Permettez-moi tout d'abord au nom de toute l'équipe, toute la rédaction de vous souhaiter une excellente année 2014. Fait divers, le maire de La Chapelle-aux-Choux, Émile Guillon, est excédé des actes de vandalisme répétés. Réforme des déchets toujours en Vallée du Loir. Les élus ont validé les tarifs qui seront appliqués en 2014 pour l'Aréum. À Château du Loir, de nouveaux mécontents de la réforme des déchets nous ont contactés. Pour son développement futur, le Pays de Racan mise notamment sur le tourisme, c'est ce qui est ressorti de la dernière réunion communautaire. À La Chartre-sur-le-Loir, les travaux reprendront mardi 7 janvier. À Montoire-sur-le-Loir, les trois candidats déclarés pour les prochaines municipales livrent déjà bataille sur Internet. À Écomois, le maire Sébastien Gouillet répond aux deux sages démissionnaires qui s'est exprimé dans nos colonnes il y a 15 jours. Retrouvez ces sujets et bien d'autres dans notre édition de ce vendredi 3 janvier. Bonne lecture et bonne semaine.